Et bonsoir, rebonsoir les gens, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. J'espère que vous êtes bien chez le renard, oh oui. Et bah écoutez, on va continuer l'aventure de Dirty Brosse à Chiottes qui, rappelons-le, a maintenant plus qu'un ami. Preston, son ami noir, est un petit peu devenu... comment dirais-je ? Une source de chaleur sexuelle la nuit. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. Et donc... Ah oui, en plus, ils sont tous là. Voilà. Notre ami qui est plus qu'un ami. Rien ne vous arrête, vous. Ah ouais. Bah, tu vois, beau gosse. Alors, peut-être avec des robots. Bon, je suis pas sûr qu'avec un chien, quand même, faut pas déconner. Hein. Bon. Voilà. Donc. Normalement, au niveau de l'inventaire, on est bien. Voilà, au niveau de la vie aussi. J'ai manque un point, bizarrement. J'ai 259 sur 260. Et pas plus. Et il me reste quelques quêtes à faire, notamment les quêtes pour... peut-être qu'on va commencer par ça pour la confrérie de l'acier, comme ça, ça virera de l'endroit et puis on n'en parlera plus. Il y en a une ici. Il y en a une là. En sachant que oui, la réserve fédérale de ration, je crois que je l'avais déjà fait. Mon cher, mes chers Spike et Grimace, j'espère que vous allez bien tout à l'heure. On va faire le super de Marthe, pardon. J'ai envie. Voilà, on va faire le super de Marthe avec notre ami journaliste qu'on a récupéré. On a récupéré quelques gens, hein, mine de rien. Ouf. Voilà. Ouf. Regardez-moi comme il est beau. Regardez comme il est. Et ah bah, je crois qu'en plus c'est ça le super de Peur Mart. Voilà. SD, super de Peur. Ah, pas Piper. Pipé. Ah, quel doux nom. Pipé. En tout bien, tout honneur, évidemment. Alors la question étant. Par où on rentre dans le super de Peur Mart, mais d'avis que ça doit pas être loin. Même que par là ça passe. Et de Lévite, soit. Qu'est-ce qu'on a par là-bas? C'est une zone que je n'ai pas encore explorée, hein, donc. On pourrait y faire des rencontres cocasses. Ah, Udada. C'est toi qui a connu des jours meilleurs. Ouais. Ok. Et tu n'utilises pas mon flingue que je t'ai donné. Je suis déçu. T'avais un petit magnum pas dégueu. Ça aurait pu faire moult bobo aux ennemis. Mais je vois que tu as choisi autre chose. Eh bien, soit. C'est ton choix, comme le disait si bien Evelyne Thomas. C'est ton choix. Alors, les employés seulement, je pense que personne ne m'en voudra si j'y rentre. Hein. Hein. Là, tout va bien. Du Nuka-Cola, bah oui, parfait. Parfait, parfait. Et ça va où, là? Sous-sol de Slocum Joe's. Ma foi. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais... Faut allons voir. «
Ok. Ok. Y a rien d'autre? Oula. Bah étrangement non. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose d'autre donc. Allons-y, bon allez, on va essayer de trouver l'entrée du Super Dupper Mart. Histoire de. Qu'est-ce qu'il y a à l'étage ceci dit? À l'étage on peut pas aller beaucoup plus haut. Ok. Alors que le temps vient de changer, qu'on est passé à une bonne brume. Une bonne brume des familles. Vas-y, je prends tout. Vas-y, je prends tout. Laverie automatique, allons voir. Bonsoir Moodybot, bienvenue, j'espère que ça va bien. Ah, un sympa livre en retard. Ici. On aurait parfait. Presque envie d'y rester. Parfait pour le livre en retard. Parfait, 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 parfait. D'accord, en fait, il n'y a que ça. Allons-y, oui, ressortons. Ça va bien, ça va bien. Où est le chien? Le chien est dans sa niche. Le chien est dans sa niche à Sanctuary Hills. Et il va bien. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va bien. Un petit peu de pub pour New Cat Cherry. Ok, et ben voilà. On a trouvé le super de Pornart. Je ne pouvais pas dire qu'on était très loin. Ouais. Oh mon dieu! Oh bah je prends tout, moi, oui, évidemment. Comme d'habitude, je vais essayer de trouver une entrée des robins. Commande de la porte de sécurité. Ouais. J'aime pas trop beaucoup ça. C'est un peu beaucoup calme. Allons bon, où ils sont partis? C'est pas vrai. Voilà le travail. Allez. Oh merde. Bah dis donc, fallait m'appeler, voyons. Fallait m'appeler, ma grande. Il y en avait une là aussi. Bah dis donc. De quoi? Quoi? Mais qui est dit? Y a plus rien. Où
What the... quoi? Je cherchais donc une porte dérobée. C'est qui ta copine, Zépip? Voilà, Zépipé. C'est étonnant. Re, mon cher Crackbull. Ah, tu lances Falout aussi. Oh merde, non. Oh non, pour rentrer par derrière, il faut être... oh non. Cette fois, faut pas savoir projeter. Oh merde. Bon, bah on va passer par la porte de devant, hein, pour une fois. Pour être honnête. Mais oui, ma copine s'est pipée. Attention, hein, C-C-apostrophe-E-S-T. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien. Que va-t-on trouver dans ce charmant petit magasin? Des goules. Des gougoules. Alors, lesquelles sont vivantes, lesquelles sont mortes? Je pensais pas qu'il était possible de sentir aussi mauvais. Ma foi, si quelqu'un peut y trouver une utilité... Bah ouais, t'inquiète pas, tu verras. Tu verras, ma grande. Reste à terre. Bravo toi. Oh merde. Oh merde. Évitons les mauvais jeux de mots. Non. Non, pourquoi éviter les mauvais jeux de mots, voyons. J'aimerais pas être à ta place. Mais où vous êtes? Ah oui, bah voilà. Pif, de Nuka Quantum. Oh oui. Ça y est, ils sont partis? Non, non, il y en a un autre, ma grande. Il y en a un autre. Mais il a peur, il se cache. Ne t'inquiète pas. Nous allons le faire sortir. Oh, des melons. Des gros melons. Ah, les goulans sur joli. Ah oui, non, mais j'imagine. C'est l'heure de voilà. Des hop, salut. Ombra tombera pas. Ah, plus personne. Vous en voulez encore, hein? Mais elle est où? Oh mon dieu! Ils se sont tous relevés. C'est Thriller. C'est Michael Jackson. Oh merde. Et un. Et le deux. Et le trois. Voilà. Oula, il y en a beaucoup quand même. Non, calme-toi.
pas si c'est pas déclenché avant, c'est une bonne question. Ah merde, j'ai pas assez. Non, tire. Putain. Qu'est-ce que ça fait, toi? Provocation inflige deux fois plus de dégâts. Si, oui, bon, bon, on va le prendre parce que, évidemment, c'est bien, mais voilà. En fait, c'est pas bien, on s'en fout. Mais qu'est-ce que t'allais foutre, toi, pour réveiller tout le monde, sérieusement? Hein? Qu'est-ce que t'allais branler? Parce qu'on était bien et je sais pas qu'est-ce que t'allais foutre là, en fait. Hein? Qui sont cons, ces PNJ? Qui sont cons? J'avais un espoir hein, que tu sois un petit peu moins cruche que les autres, mais visiblement, non. Visiblement, non. Bon, alors du coup, est-ce que je peux continuer d'explorer? Ça me ferait plaisir. C'est ça! C'est tout à fait ça, je stresse mais je perds pas un PV. L'écorcheur Behemoth, ah oui. En raison de nombreuses plaintes de clients au cours des derniers mois, c'est le cœur lourd que nous vous annonçons que nous avons dû nous séparer de Sally. Vous avez peut-être également remarqué que la nouvelle machine à café que nous avons commandée est arrivée. En attendant de faire de la place pour elle dans la cuisine, elle a été installée sur le bureau de Sally. Faites-vous plaisir. Merci Sally. Nombre d'entre vous se sont plaints des claquements bruyants émis par la machine à café lorsque vous l'utilisez. Malheureusement, nous ne serons pas en mesure de la déplacer avant 2 semaines, c'est notre cuisine. Car notre cuisine est trop petite pour le support que nous avons commandé. Nous sommes actuellement en train de contacter un sous-traitant pour abattre quelques cloisons et ainsi permettre au support de passer encore un peu de patience à la direction. Comment voulez-vous trouver quoi que ce soit là-dedans? Effectivement, la machine à café, hein? Bon. Ah, c'est pas de la petite Nespresso de Georges. Hein. Là, c'est le modèle qu'il en a dans le slip. Voilà, bonjour. Et l'autre, elle s'assoit tranquille, quoi. Tout va bien, NP. NP, je te regarde. Magnifique. Magnifique double vrille piqué. Quelle action, mon... Salut ? Ça va ? Ah ouais, ça allait. Visiblement, ça allait il y a quelques secondes, mais là, d'un coup, tu bouges plus. C'est bizarre. C'est bizarre, je dois avouer que c'est bizarre. De la carotte, vas-y. Vas-y, si tu veux, de la carotte, pourquoi pas. Salut. C'est bon, c'est tout. Allez, fais péter le réacteur à fusion, pourquoi pas. Cartouche en plasma, ne me demandez pas pourquoi une goule porte ça sur elle. Je n'en ai aucune idée. C'est en traînant dans ce genre d'endroit qu'on finit par se faire bouffer. Mais non. Tant que tu joues pas à la cruche et que tu nous attires pas dans merde, tout va bien. Salut. Génial. C'est original comme utilisation d'une pince à cheveux. T'as vu, hein, t'y avais pas pensé, hein.
C'est vraiment un repère à Nuka Cola ici. C'est assez pratique. Des fruits, vas-y. Pourquoi pas? Oh non. Et bonsoir Toundra, bienvenue. Ça y est. Ah, une armure qui rend invisible, j'avoue, ça doit être pratique. Ah, salut. T'étais pacifique, tu es maintenant décédé. Une tenue de milicien. Allez hop. Oh, le petit slip. Dispersion mousquet laser. Réacteur à fusion 4. Oh mon dieu! Dire que je n'utilise quasiment jamais les armures assistées, alors que j'aime bien. Je pense qu'en survie, il va falloir savoir quand l'utiliser, surtout. Quand la sortir. Vas-y. Vas-y, je cache tout. Vas-y. Comment ça vole? Ah bah dites donc, elles ont pas fait leur caisse, les vendeuses. Enfin, les caissières plutôt. C'est quoi ce boulot? C'est quoi ce boulot? Ah, parfait. PPT. Le slip kangourou. Et oui, dans le futur, on aura toujours aussi mauvais goût. Cage. 1-0, somme, tor, non plus. Bits. Oh, 3 similaires, sits. Génial. Oui, mais non, attendez. Oh bah non, moi je veux l'XP. Voilà. Ouais. Quoique ça donne plus d'XP en fait, je remarque. Je suis en train de réfléchir, mais ça file plus du tout d'XP. Ah ouais. Petit silencieux là au pif. Ça c'est cool. Petit silencieux au pif. Ici. Ah oui, un téléphone, des téléphones. Pardon. Oh, salut! Non, tu dirais de rester à terre en fait. Ah là, tu vois, c'est cool, en fait. Ah, ah mais t'as un pote. Ok. Hop, petit accrochage au mur. Ah, t'as plus de bras. Il est où le bras? Il est passé où le petit bras? Il n'y a plus de bras. Je suis au max en crochetage. Enfin, non, j'ai pas le dernier truc. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que j'aille récupérer l'arme, l'arme craquée. Oui, c'est bon. Mais j'ai pas le dernier. Le dernier niveau qui permet de ne jamais casser d'épingle à cheveux. Honnêtement, vu le nombre d'épingles à cheveux qu'on a, je ne vois pas très bien l'utilité, mais bon.
Cette classe de Darty, quand même. Sans peur et sans reproche. Ah, ça y est, j'ai nettoyé la zone. Ok. C'était la goule qu'il fallait que... que je défonce. Bah voilà. Oui. Oh l'enfoiré. Ça va? Ça va, Pipé? Dis donc, elle en voulait à ton cul, hein. Quand même. Josh. Josh avec sa tenue milicien. Ok. C'est peut-être pour une autre quête, ça, par contre. Je sais pas. Oh, le petit raté, le petit pas de côté, le jeu de jambes de Darty. Et la goule n'a rien compris. Darty, jeu de jambes. Sauver les épingles à cheveux. Oui, bah comme d'habitude, quoi. Je dis, je vais faire du créatif et puis la drogue. Non, mais c'est une drogue ce jeu, sérieusement. Sérieusement, c'est une putain de drogue. À chaque fois, on se dit, ouais, non, c'est bon, allez, je vais faire une petite pause quand même. Je vais pas faire ça tout le temps, vous voyez. Et puis en fait, non. Puis en fait, non. Ah oui, 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 oui. Mais je vous promets que j'en ferai, hein. Je vous promets qu'il y en aura. Mais j'y peux rien si ce jeu est prenant, quoi. C'est pas de ma faute. C'est pas ma faute à moi, comme le chantait si bien. Si bien lisé, quoi. Ah, la drogue, c'est mal, hein. Ah, c'est vraiment mal, la drogue. Mal, moyen. Bon, bah voilà. On a, ça c'est fait. Du coup, faut aller à la réserve fédérale de Racine. Ah, on peut débloquer des coupes inédites. Mais c'est cool ça. Megaton R. Pour une coiffure atomique. Elle ne sert pas à grand chose, la pipe. Ah, je dois avouer que j'ai vu mieux. Merde, c'était quoi ça? Ah bah alors? Bah t'as plus de tête? Bah mec, t'as plus de tête, mec! Elle est où ta tête, mec? Ce serait dommage de gâcher ça. Elle est où ta tête, mec? Faut pas perdre la tête, mec! Ah oui, d'accord, on se retrouve de l'autre côté. C'est peut-être pas le meilleur endroit pour attaquer. Mais on va faire avec. Allez, viens Pipé, viens. Quoi?
Mais t'inquiète pas, je suis déjà nulle, oui, parce que cette zone, je l'ai déjà faite en fait. Il se trouve que je l'ai déjà faite. Ah bah quand même. Et un petit niveau de plus pour Darty, magnifique. Pourquoi vous jouez tous les héros? Je te vois. C'est clairement pas ton jour. Mais tu vas crever, oui. Je me demande si tous les journalistes font ça. On a encore un ennemi en ville. Ah oui, lui il a deux pistolets 10 mm, d'accord. Ah lui il déconne zéro. Hein. J'espère que ça vaut le coup ce que t'as sur toi. Ouais, t'inquiète. TKT. Tu sens ça? C'est la peur. Malheur pratique. Merde, je les ai pas vus. Je ne sais pas à qui vous avez affaire. La fontaine aux cygnes, non, ça ne me dit rien. La fontaine aux cygnes ne me dit rien du tout. Ta gueule. Perdit de bras et d'atui. Darty lui dit t'inquiète pas cette zone, je l'avais déjà nettoyée. Non mais en fait ça respawn. Ça c'est pas des conneries, les zones respawn. Les ennemis et mais aussi plutôt les ennemis. Les objets, les ennemis, tout respawn en fait de temps à autre. Pour pas dire régulièrement. Ce qui fait que vous tombez jamais à court d'ennemis ou d'objets à récupérer, à voler, à. Voilà. Vous avez. Il y a bien que les armures assistées. Là, il y avait une armure assistée, elle n'y est plus. Il y a bien que ça qui n'a pas respawn en fait. Pour le reste. Pour le reste, on est revenu à quelque chose de classique. C'est le. Voilà. Ah mais non, je l'ai déjà looté, ok. Ok, autant pour moi. Mais ouais, effectivement, tous les ennemis sont venus. Bon, en plus, il y a une mission. Alors peut-être, est-ce que la mission remet à zéro les zones... Oh,
Oh là là, il y a tellement d'armes ici. Peut-être que les missions remettent à zéro les zones et refont réapparaître tous les ennemis. C'est peut-être... c'est une possibilité. Ah, parce qu'en plus, il faut que je rentre dans la zone de la réserve fédérale de ration que j'ai déjà nettoyée. Et qui va être repeuplée, très certainement. Ce qui fait aussi que quand on explore à l'aveugle, finalement, on peut pas se dire, tiens, je vais faire cette zone, quand je reviendrai, elle sera propre. Non. Par contre, on peut tout de même ouvrir les passages. Mais putain, mais qu'elle est con! Mais qu'elle est con! J'aurais préféré qu'on n'en arrive pas là. Je viens de te mettre une cartouche dans le cul! Mais t'aimes ça les cartouches dans le cul? Oh là là, 4 réacteurs à fusion, genre au pif comme ça complet. Vous voyez, je crois que là par exemple. Je veux pas dire de conneries, hein, mais je crois qu'on était, on pouvait pas passer par là la première fois où on arrive. Attendez. Arme de fortune, silencieux. Ouais, mais non. Je crois que c'est pas pour ça que je voudrais un silencieux. Je crois que j'en ai déjà d'ailleurs, plus ou moins. Je peux toujours le prendre. Le silencieux, c'est gratuit à récupérer. Porter quelque chose si vous voulez. Ah, t'inquiète pas, je gère, je s'occupe. Non, je sais. Voilà, j'ai le mot de passe, la preuve que j'ai déjà fait quand même, j'ai le mot de passe. Mais on peut ouvrir et le truc se trouve ici, mais je l'ai déjà fait ici ou quoi? J'ai l'impression d'avoir déjà dû récupérer quelque chose dans cette caisse précisément. Ce qui m'étonne. Oh là là, mais le Nuka-Cola Quantum, pardon, qui réapparaît, ça par contre c'est chaleur bonheur. Quoi? Bouh! Merde, je les ai perdus. Non mais tu vas te calmer Jacqueline, hein. Tu vas te calmer Jacqueline. Une bonne leçon. Donc voilà, on a récupéré ce qu'on avait à récupérer. Puis on va aller quand même aller looter les corps. Voilà. Je ne dis pas non à une paire de munitions. On a poche de sang. Comment ça, poche de sang? What the fuck? Peau de peinture rouge et poche de sang. Salut Wolf Silver, bonsoir à toi. Bah oui. Bah j'étais bien obligé de lui demander, elle passe devant moi au moment où je tire. Elle aime peut-être ça, moi je dis ça, je dis rien, c'est pour elle. Hein. Si elle souhaite, moi je veux bien. Bon allez, on va retourner au commissariat de Cambridge. Bientôt niveau 30, hein, mine de rien. Ça va bien, Silver Wolf. Wolf Silver, pas Silver Wolf. Wolf Silver, ça va bien, merci, j'espère que toi aussi.
On va de ce pas valider nos deux quêtes. Ça va être cool. Est-ce que je reprends les suivantes? Je ne sais pas. En sachant que ces quêtes-là sont infinies. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous en aurez tout le temps. Dès que vous en finissez une, paf, il vous en donne une autre. Ah, vous revoilà. Parfait. J'espère que ça veut dire que vous avez trouvé l'artefact recherché. Tenez, le voici. Beau travail. J'espère que tout s'est bien passé. Tenez, c'est amplement mérité. La technologie est toujours très demandée. Prévenez-moi quand vous voudrez une autre mission. Ce n'est pas possible pour le moment. Pas de problème. Revenez me voir quand vous pourrez. Pensez à venir me trouver quand vous serez disponible. Voilà, ça c'est fait et on va aller voir Tête de cul. Ah, c'est pas trop tôt. Alors, vous avez nettoyé la zone cible ? Affirmatif. Vraiment. Vous n'êtes peut-être pas aussi inutile que je le pensais. Voilà ce qu'on vous doit. On reçoit sans cesse des rapports de reconnaissance. Si vous avez envie de repartir en mission, vous savez où me trouver. Je ne peux pas y aller tout de suite. D'accord. Mais si je vous prends à bailler aux corneilles quand il y a du boulot, ça va barder. Mais ta gueule ! Ta gueule, j'en fous plus que toi qui reste planqué le cul vissé sur une chaise dans ce trou paumé. Me bave pas sur les rouleaux, Little John. C'est à peu près ça, Toundra, c'est à peu près ça. Résultat. Donc on a le labo clandestin à faire ici. Et sinon, trouver Nick Valentine qui se trouve. Où se trouve-t-il? Ah mais d'accord, il se trouve par là dans la fosse. Ah oui, la fosse c'est juste là. Il faut que j'explore la fosse, c'est vrai. On va refaire ça, on va aller à la fosse. À la fosse sceptique, et puis ensuite on va aller trouver Nick Valentine. Remelon. Heureux. Et c'est par là qu'il faut qu'on s'oriente. Ticon. Allez, rien ne nous oblige à faire ça. Bordel de fion. Je commence vraiment à me gonfler. Tout dans les bras, rien dans la tête, hein? Fallait pas les chercher. Et paf! Voilà! Dans mes mots. Bande de trous de fion. Nous maintenant. Bah oui, ça nous, si tu crois. Qu'est-ce que tu crois, ma grande?
Voilà. Merci. Merci pour ce moment. Ouais, je prends tout. Merci, encore une fois. Je vais quand même récupérer ma vie. Voilà. Ouais, c'est par là. Si vous croyez m'impressionner, vous êtes mal barré, bande de petits bâtards. Bande de petits bâtards. Et on a trouvé la fosse. Plus pour longtemps. Putain, mais quel est le con. Oh putain, j'ai plus d'HP, mec. Ben ouais, un petit peu, qu'est-ce que tu veux. C'est ça quand on sert à quelque chose. Parce que bon, là, tu m'as pas été d'une grande utilité. Et pourquoi elle n'utilise pas d'ailleurs l'arme que je lui ai filée, qui est quand même vachement mieux que ce qu'elle utilise actuellement. Cette cruche. Oui, la allez, fosse. Vas-y. Le meilleur endroit où se faire tuer de tout le Commonwealth. Eh ben, tu vas voir. Terminé, explorer la fosse. D'accord. Bon, en fait, il fallait juste rentrer et puis c'était bon. Ça donne pas vraiment d'XP, mais... Qu'est-ce qu'ils font, eux? À quoi ça servait, ce truc? Du bric-à-brac. Terminal avancé, je vais avoir du mal. Ah, mais voilà, voilà quelque chose qui va me plaire. Du cash. Allez, on va faire du cash. Qu'est-ce que ce type a rien à faire ici? Faites-lui la peau. Quoi? Oh, si tu veux. Putain, tu vas me payer. Oh. Crève, espèce. Non, je tenais pas spécialement à le faire maintenant, mais soit. Je mets pas sa gueule de toute façon. Je brûle, je brûle. On devient un art avec toi. Je brûle. C'est dommage, on pouvait bien s'entendre. C'est dommage. Tu veux me voir en mode survie? Ah ouais, mais il faut que je finisse l'histoire de Darty.
puis avant, avouez que ce serait quand même moins rigolo. Je l'aimerais mieux comme ça. Éliminer les derniers pillards. Allez, conduire. Amène-toi. Oh, si t'insistes. J'ai fait ça toute ma vie. Tu crois que ce sera différent avec toi? À mon avis, tu vas t'en tirer moins bien. Il a peur, la fiotte. Vous croyez que c'est fini? On veut pas d'ennuis. Pas plus que ceux qu'on a déjà, en tout cas. T'as qu'à aller voir, espèce de dégonflé. Et puis quoi encore? Je suis trop jeune pour mourir comme ça. Oh là là, mais les branques... Si vous approchiez un peu, histoire Attends. De nous montrer que vous ne voulez aucun mal. Deux secondes, je suis en train de looter, mec. C'est super important. Alors, vous voulez qu'on discute entre gens civilisés? Oh, mais oui, tout ce qui vous intéresse, c'est démolir toute ma boîte. Mais ne t'inquiète pas, mec, deux secondes. Hé hey, vous avez fini de vous entretuer? Bah, en même temps, entretuer, oui et non, parce que. Ça y est, moi, je suis vous pas avez mort. Fini de tout casser. Donc, si tu veux, techniquement, en fait, on s'entretue pas. Hey, c'est moi qui les ai tués. Vous avez fini de vous entretuer. Mais je te dis qu'on s'est pas entretué. T'es dur de la feuille. Je sais pas qui vous êtes, mais on est avec vous depuis le début. Je commence le perso, moins le visage. Si vous approchez un peu. Oh là là, la planche. Oh la planche. Oh la planche relou. La planche relou. Bon, allez, d'accord, c'est bon, Alors, j'arrive. Entre gens civilisés. Attends. Ou tout ce qui vous intéresse, c'est démolir toute ma boîte. Bon, alors, comment qu'on rentre? Je sais pas qui vous êtes, mais on est avec vous depuis le début. C'est fini? Ouf, je m'attendais à pire. Je sais pas, j'ai eu droit à un sacré spectacle de là où j'étais. T'as encore défoncé ou quoi? Bah, quelle question. Je sais bien que c'est oui. J'étais quand même en train de gagner, non? C'est parce que t'es défoncé que tu fais des... Au moins le visage. Mais bon, j'imagine que c'est pas ce qui va te préoccuper maintenant. Le background du visage de la trouve au chômage, du coup. Je sais pas si je dois vous remercier ou demander à mon petit oiseau de vous faire bouffer vos tripes. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça. Bah, peut tester si tu veux. Pardon. J'avais l'impression que vous aviez des ennuis. Des ennuis? Non. Mais on gagnait notre pain en divertissant ces abrutis. Je sais pas ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant. On s'en fout. Il en viendra d'autres de toute façon. Ah. Laisse-moi juste une minute et j'y retourne. Une minute pour faire quoi? Pour que tu t'injectes. Oh, merci, Pierre Jaja. Merci beaucoup pour le host. Bien réfléchi. C'est peut-être pas une mauvaise chose ce qui vient de se passer. Vous avez vu la fin de ce combat. Qu'est-ce que vous pensez de Kate? Elle est douée. C'est évident. Ah, tu vois. Il y a encore des gens qui sont capables de reconnaître le talent. C'est pas ton talent pour le combat qui me préoccupe. Bon, voilà le problème. Depuis quelques instants, j'ai plus le moindre public. Et donc,
plus aucune chance de gagner des capsules. Et si tu me rapportes pas de capsules, tu me sers à rien, petit oiseau. Pire, tu deviens un boulet. Pour toi comme pour moi. Alors, voilà ce que je me disais. Si vous repreniez son contrat, elle vous accompagnerait, elle couvrirait vos arrières. Ça me rendrait bien service le temps que je remette un peu d'ordre ici. Qu'est-ce que vous en dites? Moi? Avec lui? J'aimerais avoir l'avis de Kate. Et moi? J'ai pas mon mot à dire? C'est pas comme ça que ça marche, un contrat. Et puis, tu veux vraiment rester ici? Pas de public, pas de capsule. Et t'aurais plus que moi à qui causer. Parle pas de malheur. Ok, pigé. Voilà, je préfère ça. Donc, elle est partante. Et bonsoir, Foxy. Bonsoir, Foxy. Bonsoir, Hyper Jaja. Merci pour le host. Et bonsoir, Feorned. Ou Faor... Faoroned. Enfin, bon, bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Bah oui, pourquoi pas. Quelqu'un pour m'aider, ce serait pas de refus. Parfait. Dans ce cas, c'est réglé. Tenez, prenez ça. C'est la recette du dernier combat. Une petite minute. Qu'est-ce que tu vas faire sans moi? T'en fais pas pour moi. Je vais tout nettoyer et après, j'essaierai de trouver une clientèle moins sanguinaire. Allez, fiche-moi le camp. T'es plus la bienvenue ici, petit oiseau. T'es vraiment un salopard de première, Tommy. Pas la peine de me le dire. Bon, t'auras qu'à venir me trouver quand tu voudras y aller. Oulala, oulala, alors attendez. Attendez, pause. Pause. Salut, Kate. Alors, on y va? Ça dépend. Tu te sens comment? Je sais pas, je m'emmerde ici. J'ai l'impression de servir à rien. Alors, on se bouge le cul ou on reste faire la causette? Allons-y. J'en pouvais plus de rester planté ici. On se taille. Toujours en vie, Kate? Les miracles existent. Eh ouais. Mais je sais pas si ça va durer. Ah, c'était sa station Oberland. Mais j'y étais allé à la station Oberland. Oh merde. Attendez. Ah, du coup, ça veut dire qu'il va falloir qu'on leur casse leur gueule. Va falloir qu'on fasse une expédition punitive pour punir leur expédition punitive. Parfait. Vous pouvez maintenant fabriquer des plantes en pot dans les ateliers. Mais c'est bien ça. Très très bien. Bon alors du coup j'ai deux charmantes nanas pour m'accompagner. Comment ça va, Tommy? C'est sacrément calme maintenant. Ah là là, quel dilemme! Quel dilemme pour Darty, qui, je vous le rappelle, a déjà réussi à séduire son ami noir. Darty bourreau des cœurs, qui l'eût cru? Ah non, mais non. Non, 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 non. Oui, difficile à prononcer, effectivement. Effectivement. Mais alors, vous m'avez toujours pas dit pour le nouveau perso. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme tronche? Voilà. Enfin, si. Crackbull m'a dit. Lui, pour lui, il voudrait un truc... un personnage ni moche, ni beau. Enfin, ordinaire, on va dire. Du moins, j'ai compris comme ça. Mais voilà, on peut faire un beau, on peut faire un Darty, la sœur de Darty, quoi, la mocheté. Ou alors essayer par exemple de reproduire une personne connue. Ça peut être rigolo aussi. Ça peut être rigolo. Quelque chose de bien pour changer. Alors, je pour l'instant, je refais pas un perso. Je suis toujours avec le même, mais... Mais j'ai toujours la rerolite aiguë. Le Batman. Alors, a priori, ça serait une nana. Pour changer, Darty, c'est un mec, on va faire une nana. Voilà, on va varier les plaisirs. Et donc on a toujours le détective en péril, à faire. Donc on va le faire maintenant. Et puis après on ira voir à la station Oberland. Je savais bien qu'il y avait une station qui avait un. Se promener dans le Boston Common. C'est pas l'idée du siècle.
un de mes camps avait été attaqué, mais voilà. Je ne savais plus lequel. Et c'était la station Oberland, et pourtant il me semble que j'avais fait tout le tour des... Ah, un genre de code. Et donc c'est a priori par là qu'on va trouver l'ami, la bad girl. Ah, ça pourrait le faire. Hein. Oui, donc oui, l'idée de Crackbull, c'était un perso badass. Voilà. Et sinon, oui, pourquoi refaire un nouveau perso? J'ai même pas fini d'expliquer bien. Pour tester finalement un autre type de gameplay. Se ranger avec la bande et surtout, objectif, c'est la meilleure décision qu'on ait pu prendre. Le faire en survie. Regarde un peu cet endroit. Moi, je dis que Malone, c'est un tocard. Ce fouineur de détective, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il l'enferme. Comme s'il n'avait pas les couilles de le buter. Dis pas ça à sa nouvelle copine. Elle va te fracasser la tronche à coups de batte jusqu'à ce que t'aies le museau qui te ressorte par les oreilles. Ça c'est fait. Ça va être une vraie partie de plaisir. Planquer. On dirait que t'as les T'es pas sérieux? Ah bah quand même, merci. Ah vas-y Kate, vas-y défonce tout. On perd du monde là. C'est la petite raclure. Ah bah ouais, je te confirme. Ah ouais, ah elle déconne beaucoup moins que la journaliste. Putain, elle a failli même me tirer dessus. Oh j'aime cette femme. Ça y est, je suis amoureux. Enfin Darty est amoureux. Tu le... Bonsoir. Bonsoir Mido. Évidemment, évidemment qu'on va tous les tuer. Ah là, oui, on va bien s'entendre. Elle et moi, on va bien s'entendre. Enfin, Darty et elle, ils vont bien s'entendre. Je pense qu'ils ont... ils ont une idée commune sur la manière de s'y prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le terminal? Mais il y a énormément, mine de rien, de personnes qui peuvent accompagner le héros. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. On peut pas acheter de tickets, ok. Fermeture du terminal. Oui, avis aux employés. Votre station est fermée. Tous nos agents. D'accord. C'est cool. T'as besoin de... C'est bon. Cette serrure, dis-le-moi. Ou n'importe quelle autre serrure, d'ailleurs. Je suis devenu plutôt doué pour rentrer là où on veut pas de moi. Ah! Serait-elle capable... Attendez. Où est-ce qu'elle est? Hé. Hey. Qu'est-ce que tu veux? Vous pensez pouvoir déverrouiller ça? T'as des épingles à cheveux? Je suis à court. Hé. Hey. Ouais, ouais. Je m'en occupe. Hey. Mmh. Faites ce que vous pouvez. C'est parti. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, si je trouvais par exemple un scientifique... Ah, enfin un petit défi. Voyons ce que je peux faire. Merde, cette fois j'y étais presque. Putain, mais quelle serrure de merde. Ça y est. Ah ouais. Je découvre, mais je découvre donc
Je découvre donc que certains de nos potes sont capables de faire des choses. Donc ouais, ce qu'il faudrait, c'est que je trouve un compagnon capable de s'occuper, par exemple, des terminaux de sécurité. Ce que Darty est incapable de faire, parce que Darty, il est quand même un poil débile. Même si on n'en a pas toujours l'impression. Ragnagna, elle va être constamment en sang. Tu dois... Ouais, mais je suis pas sûr que Twitch accepte. Quoique, bon, va me dire. Elle va pas faire quelque chose de sexuellement répréhensible, mais bon. Connaissant Twitch, je me méfie. Hein. Putain, j'ai réussi à... Ah oui, il y a du monde quand même. Sors de ton trou. J'ai quelqu'un. Quelqu'un se fout de nous. Oh là là, mais elle a juste peur de rien, quoi, la petite. J'aime comme cette femme parle. Oh merde, je crois que je l'ai suicidé un petit peu là. Bordel de fion. Allez, relève-toi, voilà. Ce passage en survie, ah oui, j'imagine, oui. Light c'est un hardeur. Non, mais oui, de toute façon, ça serait probablement fort possible, mais après... Ah, évidemment, bon. Le problème, c'est qu'en général, c'est pas la tête qu'on regarde. Après, niveau orientation personnage, si c'est pour faire de la survie. Bon, à la base, je m'étais dit un perso full intelligence et charisme. Mais pour de la survie, je suis pas sûr que ça soit une super bonne idée. Du moins pas... Enfin voilà, je pense qu'il faut orienter le perso quand même pour faire en sorte qu'il puisse survivre un petit peu. Pourquoi j'ai 1000 milliards de munitions? C'est legit? Oui, en fait, parce que j'utilise quasiment pas ces armes. J'utilise beaucoup le mode... En fait, j'utilise beaucoup cette arme-là, qui pour le coup n'a pas beaucoup de munitions, comparé aux autres, mais qui est assez surpuissante. Et assez efficace, ce qui fait que j'ai en général peu de enfin j'en utilise peu finalement de munitions. Et je trouve quand même assez pas mal de munitions sur les ennemis. Je loot de partout. Ah, de l'endurance quand même. Parce que moi l'endurance ça me paraissait pas joli. Ça me paraissait pas forcément ultra utile.
Oh! Ça, ça commence à me plaire. Ça, ça commence à me plaire. Mais du coup, il y a plein de munitions en fait que je n'utilise pas. Du coup, quand on va voir mon inventaire et qu'on va voir dans où est-ce que c'est dans les munitions, voilà, il y a des munitions. Voilà, ce genre de munitions, je ne les utilise jamais. Donc forcément, il y en a 25 millions. Les cartouches de flingue aussi, j'utilise assez peu. Les 5 mm, quasiment pas. Voire pas du tout. Mais il n'y a aucune arnaque. Hein. Tout est récupéré sur les ennemis. Après, je joue pas non plus en avec ce perso-là en survie. Ce qui fait, je pense que j'utilise beaucoup moins de balles aussi hein, pour me défaire de mes ennemis. Ça doit aider, à mon avis. Il y a eu une toute petite période au début du jeu où parfois pour certaines armes, je tombais à court ou quasiment, et puis au bout d'un moment. Il n'y a plus vraiment de soucis, on va dire. Ah oui, oui! Ouais, il est cool mes situations, ouais, je vois. Après, il y a vraiment certains trucs, je pense, qui sont indispensables pour avoir plus de résistance, plus de survivabilité. À chaque fois, je n'y arrive pas à ce mot. C'est officiel ce mot, je n'y arriverai jamais. Ouais, mais ça, on l'a déjà lu en fait. Oh, un petit Nuka-Cola Quantum visible au loin. Bah alors, personne? Bah, un peu que je vais aller le récupérer, voyons. 10 camions. Ah, voilà. Il y en a donc deux. Putain, mais pas vu, c'est quoi mouillé, ah oui, l'autre arme que j'aime bien, c'est celle-ci. Ah, mais là, t'es loin. Allez, sors de là! Je te promets de te péter qu'une seule chose. Adieu? Stéphane Bern met enfin le full charisme et science avec un bonus culture et relation avec les dirigeants. Ah purée. J'avoue. J'avoue, il y a de l'idée. Par contre, c'est vrai que j'aimerais bien, avec mon autre perso, enfin avec une autre partie en tout cas, me concentrer un petit peu plus sur... sur les camps, sur les villes, enfin les ce qu'ils appellent les ateliers en français dans le texte. Mais voilà, vous avez compris. Essayer de les gérer un petit peu mieux, un petit peu plus. Alors ça veut dire aussi passer finalement du temps à gérer ces camps. Mais je veux voir ce que ça apporte comme... Merde alors, Voltec a foutu de ses machins un peu partout. Ce que ça apporte comme chose... Putain, c'est un abri ? T'es sérieux ? Ils l'ont enfermé dans un abri ?